Bonjour à tous. Je ne sais pas ce qui s'était passé, le live avait disparu de la page. Enfin, c'est comme d'habitude, hein. Des choses techniques. J'espère que vous allez bien. Je dis bonjour à Omar. Cosmina est avec nous. Yossi est là aussi. Bonjour. Bickert qui dit enfin, j'ai trouvé la leçon. Oui, c'était mystérieux. Moi aussi, mais vous savez, des fois, c'est YouTube, il y a des choses mystérieuses qui se passent. Sundar est là. Hilary Orwell est là aussi. Bonjour. Widad est avec nous. José est là aussi. Victoria Jacques. Bonjour, bonjour. Victoria Jacques, elle est toujours très généreuse. Elle donne toujours deux bonjours. Comme ça, la générosité. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde. Écoutez, Renato est là. Annabelle Nouvelle est là aussi. Mathis Fan est avec nous. Cathy Geek est là. Cheryline est là aussi. Kirill est là. Écoutez, apparemment, tout le monde est là. Fabio, bonjour. Spartan Queen, one and only. est avec nous. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir en tout cas. On va commencer si vous voulez bien. Alors, comme vous le savez peut-être, cette semaine, c'est la reprise. Et donc, comme je vous avais dit, c'est la semaine des révisions. Donc, l'idée, c'est de refaire certains exercices que nous avons déjà fait. Victoria Jacques qui dit peut-être demain trois bonjours. Oh, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Et donc nous allons refaire quelques exercices que nous avons faits, eh bien, à la session, saison, période précédente. Allez, aujourd'hui, c'est la question du jour. Et la question du jour, c'est ce que je préfère faire le matin. C'est, dites-moi ce que vous aimez faire le matin. Alors, juste après le réveil ou dans la matinée, c'est comme vous voulez. Allez-y, s'il vous plaît, une petite phrase. Merci beaucoup. Alors, Almour nous rejoint aussi. Bourneville Lover, bonjour. Très bien. Bicotte qui nous dit, j'ai écrit aux autres le 16 janvier. D'accord. Très bien. Comme vous voulez. Alors, c'est Sundar qui commence. Et Sundar nous dit ce que j'aime faire ou ce que je préfère faire le matin, c'est marcher et faire, attention Sundar, de la méditation. Méditation, c'est féminin. Et souvenez-vous qu'en général, les mots qui se terminent en ion, d'accord, sont féminins. Hein, libération, une station. Les mots en général qui vont finir en sion seront féminins. Donc, de la méditation, Sundar. Widad qui nous dit, ce que je préfère faire le matin, c'est me lever tôt et boire une tasse de café tranquillement. Ça, c'est vrai que la tranquillité du matin, c'est effectivement, si c'est possible, c'est formidable. Omar, je préfère faire du sport le matin quand c'est possible. Qu'est-ce que vous faites comme sport, Omar? Ce serait intéressant de savoir. Julia, très bien. Alors, Bickert wants to say there is no link for today's lesson. Mais je sais, le lien était là, mais parfois, c'est déjà arrivé avant.
le lien mystérieusement disparaît. Je ne touche à rien du tout. José, le matin, ce que je préfère, c'est étudier le français. Bonville Lover, le matin, ce que je préfère, c'est dormir et puis faire de l'exercice. Bonville Lover, est-ce que c'est de l'exercice physique, c'est-à-dire du sport ? Exercice, c'est un petit peu général. Hein. Mercurial Man, bonjour, c'est faire du pilates tous les jours. Alors attention, Mercurial Man, tous les jours, tout pluriel, T-O-U-S, les pluriel, L-E-S, jour pluriel, J-O-U-R-S, d'accord ? Indrani, je préfère lire des livres. Bickert, d'abord, je veux prendre le petit déjeuner tout de suite parce que je ne me sens pas bien, d'accord ? Victoria Jacques, restez au lit, sans bouger, jusqu'à ce que mon corps se réveille complètement. Cela pourrait prendre des heures. Donc vous restez et puis vous attendez que le corps se réveille jusqu'aux doigts de pied. Cosmina Bellou, dans la matinée, quand je suis libre, je préfère boire tranquillement le café et après commencer les tâches habituelles. Eh oui, ça c'est pas mal. Très bien. Ensuite, Yesero, ce que je préfère faire le matin, c'est apprendre le français avec Vincent. Merci Yesero, il faut prendre un thé ou un café ou quelque chose, un chocolat chaud, comme vous voulez. Annabelle qui dit directement et simplement boire un bon café. Qu'est-ce que c'est un bon café ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est un café noir ? Est-ce que c'est un café au lait ? Est-ce que c'est un café... Il y a des gens qui mettent de la crème, qui mettent beaucoup de choses. Hilary Howell, ce que je préfère faire le matin, c'est prendre une douche. Alors ça, c'est intéressant. Il y a plusieurs catégories de personnes. Les personnes qui prennent les douches le matin, les douches le soir ou les douches n'importe quand. Pour moi, c'est n'importe quand. Yossi, je préfère me lever tôt, prendre mon café et apprendre le français. Très bien. Luciana, bonjour, bonjour. Oui, alors Luciana, la même chose. Le lien a disparu, je ne sais pas pourquoi. Catégeek, je bois mon café. Renato, ce que je préfère faire tout le matin, c'est que quand je ne travaille pas, c'est dormir. Oui, c'est vrai. Victoria Posse, ce que je préfère faire le matin, c'est faire du sport et me promener. Omar, j'aime jouer au tennis. Très bien. Ah oui, c'est vrai, je me souviens maintenant, Omar, vous avez parlé de ça. Yulia, j'aime faire tous les matins parce que j'ai la tête fraîche et je suis efficace. Très bien. Mais qu'est-ce que vous aimez faire le matin ? C'est pas clair. Almour, ce que je fais le matin, tout d'abord, c'est de réfléchir un peu et de renouveler mes intentions. Oh, alors là, Almour, c'est un processus qui est très, très... C'est très cérébral le matin. Félicitations. Kirill, c'est sortir mon portable. Très bien, Chériline. Après que je me suis levé, je dois partir immédiatement pour l'université, mais quand j'y arrive, je préfère courir à la plage et revenir. C'est pas bien clair tout ça. Donc vous faites des allers-retours partout. Lisbeth nous rejoint. Bonjour. Grace Pineda qui nous dit « Je préfère marcher dans le parc ». Merci. Allez, on va essayer encore une fois d'atteindre, mais ça va être difficile. Vous n'êtes pas beaucoup. Probablement que le lien a disparu et je ne sais pas pourquoi. Si c'est possible d'avoir 100 likes, eh bien ce serait formidable. N'oubliez pas que c'est possible de rejoindre la communauté si vous ne l'avez pas déjà fait. Et ce serait pas mal. Et vous pouvez m'offrir un café en même temps. Moi, c'est du café noir ou alors un latte. Allez, souvenez-vous, au semestre dernier ou même avant, on faisait la douceur du jour. La douceur du jour, c'était quelque chose que j'aimais bien faire. Et je pense que nous allons recommencer ces rubriques pendant cette période. Donc la douceur du jour, eh bien, c'était la possibilité de découvrir des pâtisseries ou des viennoiseries. Et nous avions découvert la brioche. Daria, bonjour. Daria, restez là parce que j'ai des choses qui vont vous intéresser. Notamment une citation que vous aimez et aussi du français familier. Allez, alors la brioche, nous allons découvrir la brioche comme d'habitude en trois points.
Et la brioche, c'est quand même pas mal. Donc, comme d'habitude, je vais vous lire, regardez, la présentation de la brioche. Et donc, vous remarquez qu'il manque trois mots. Vous allez m'écrire les mots qui manquent. Je vais vous lire chaque fois, deux fois, les trois points. Allez, on commence. La brioche est une pâtisserie à pâte levée et assez aérée. Elle est à base de farine, levure, beurre, lait et œufs. La brioche est une pâtisserie à pâte levée et assez aérée. Elle est à base de farine, levure, beurre, lait et œufs. Et je remarque que Ice Cubes a probablement senti l'odeur de la brioche puisqu'elle arrive au bon moment. Bonsoir Ice Cubes, j'espère que vous allez bien. Alors, on y va. Donc, souvenez-vous hein, que pour ces exercices, il est préférable, puisqu'il y aura peut-être des mots que vous n'allez pas connaître, d'ouvrir un onglet et d'ouvrir un dictionnaire et de chercher éventuellement les mots. Comme ça, ce sera plus fluide pour tout le monde. Nous étions à la recherche de trois choses. La première chose, eh bien, c'était un substantif et c'est une pâte. Alors, je regarde vos réponses. Apparemment, c'est bien. C'est bien. Faites attention, Hilary Howell, c'était pas part, hein, mais c'était pâte, donc avec le circonflexe, si vous avez le circonflexe. La deuxième chose, eh bien, c'était un adjectif. L'adjectif, c'est aéré. Vous voyez que l'adjectif aéré est connecté à pâte. Pâte est féminin. Vous voyez déjà que l'adjectif levé est au féminin, donc logiquement l'adjectif aéré doit être au féminin avec un E final. Et puis la troisième chose, c'était un substantif, c'est un mot et c'est levure, c'est féminin. Hein, donc la levure, c'est en général ce qui va faire lever votre pâtisserie. Allez, attention, deuxième chose concernant la brioche. La brioche actuelle serait née en Normandie au XVIe siècle. La pâte à brioche remonte au Moyen Âge. Je répète. La brioche actuelle serait née en Normandie au XVIe siècle. La pâte à brioche remonte au Moyen Âge. Allez, écrivez-moi, s'il vous plaît, les mots qui manquent. Alors, je regarde vos réponses qui arrivent. C'est bien, c'est vraiment bien, ouais. Regardez, là encore, on était à la recherche de trois choses. Bon, la première chose, eh bien, c'est « serait », donc le verbe « être » qui est au conditionnel ici présent. « Serait », S-E-R-A-I-T. Attention, Sundar, on va mettre avec le « T » puisque ici, c'est la troisième personne du singulier, d'accord? Ensuite, c'est un substantif et c'est un siècle. Un siècle, c'est 100 ans,
D'accord ? Donc ici, vous allez remarquer que si vous avez un accent sur votre clavier, mettez l'accent grave sur le premier « e » siècle. Donc ici, c'était le 16e siècle. Et la troisième chose, eh bien, c'était « moyen ». Moyen, alors on l'écrit « M-O-Y-E-N ». La difficulté ici, en fait, c'est que comme je vais le lier à « âge », je vais le prononcer « moyen-âge ». Moyen-âge, et alors effectivement, vous décrivez « moyen », vous écrivez « âge », mais comme vous faites le lien entre les deux, vous allez prononcer « moyenne ». Moyen-âge. D'accord ? Allez, on continue avec la troisième chose concernant, mon Dieu, cette brioche incroyable. Alors, je ne sais pas pourquoi, Julia, elle a dit que c'était une brioche italienne. On peut trouver des brioches comme ça en France aussi. La forme peut être variable, c'est vrai. Puis ça dépend des régions aussi. On aurait fabriqué, au Moyen-Âge, des pâtisseries ressemblant aux brioches actuelles. On aurait fabriqué au Moyen-Âge des pâtisseries ressemblant aux brioches actuelles. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Averroes, any English speaker here? So, it's always interesting, this question with the languages. Averroes, yesterday it was in English. And basically some persons were saying that, but why don't you speak in French? And I was explaining to them that it's tomorrow and the day after. So on Friday and Saturday, it's only in French. D'accord? The next lesson that will be in English will be on Monday. So Monday and Thursday are in English. D'accord? But the other days, it's in French. So it's just a question of scheduling the things and then it will be okay. So just welcome for the Monday lesson and it will be in English. But now it's only in French. Allez, on y va maintenant. Nous étions, comme d'habitude, à la recherche eh bien, de trois choses. On aurait fabriqué ici, je regarde ce que vous écrivez, faites attention, pas de féminin, ici c'est pas nécessaire, puisqu'on a, on a absolument pas de complément d'objet direct avant. Donc on aurait fabriqué et, tout simplement, F-A-B-R-I-Q-U-E, accent aigu. Ensuite, ressemblant, alors là je regarde, ouais, faites attention ici, ressemblant, donc c'est la forme qu'on appelle le participe présent du verbe ressembler. Et donc vous écrivez A-N-T, ça c'est très important. Donc R-E-S-S-E-M-B-L-A-N-T. Cosmina, la forme de cette brioche me suggère le danseur. Ah oui, les derviches tourneurs, c'est ça. Ah mais c'est parce qu'ils tournent très très vite, c'est rond après. Les derviches tourneurs, c'est vrai. Troisième chose, actuel ici, c'est un adjectif. L'adjectif est clairement lié eh bien, à la brioche. La brioche, c'est féminin. Et ici, vous voyez qu'on a le pluriel. Donc, féminin pluriel. Donc, actuel, ça doit être A-C-T-U-E-L-L-E-S. Le féminin pluriel. D'accord ? Allez, comme d'habitude, souvenez-vous, ça c'était un petit peu la tradition qu'on avait. Je vais relire les trois points. Vous pouvez les lire avec moi. Et comme ça, ça vous donne la possibilité, eh bien, de travailler un petit peu la prononciation. Allez, première chose. La brioche est une pâtisserie à pâte levée et assez aérée. Elle est à base de farine, levure, beurre, lait et œufs. Petite parenthèse, faites attention avec le mot « e ». Souvenez-vous que c'est un mot un petit peu bizarre parce que le singulier, vous allez prononcer « œuf »,
et vous prononcez vraiment le F final. F-f-f-f-f. Œuf, un œuf. Quand vous mettez au pluriel, le F disparaît totalement et vous allez obtenir un son E. Des œufs. Un œuf, des œufs. C'est la même chose avec bœuf. Un bœuf, des bœufs. D'accord ? Faites attention parce que ça, c'est une erreur assez classique. Deuxième chose. La brioche actuelle serait née en Normandie au XVIe siècle. La pâte à brioche remonte au Moyen Âge. Troisième chose, on aurait fabriqué au Moyen Âge des pâtisseries ressemblant aux brioches actuelles. Voilà, merci beaucoup. Si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas de cliquer sur like, bien sûr, ça me fera très très plaisir. Alors, le verbe du jour. Alors, le verbe du jour, là, on arrive à un niveau où clairement, c'est intermédiaire avancé. Donc, nous allons être courageux. On va faire la totalité. Regardez, c'est le verbe finir. Excusez-moi, j'étais un peu rapide. Finir, verbe régulier du deuxième groupe. On est d'accord, les verbes en IR. Pas tous les verbes en IR appartiennent au deuxième groupe, mais lui, en l'occurrence, c'est un verbe du deuxième groupe. Nous allons faire tous les temps des trois modes, d'accord ? Donc on va attaquer directement, comme d'habitude, juste la première personne, je. Et on attaque avec le présent, allez-y, je, verbe finir, présent de l'indicatif. Alors, comme c'est la conjugaison, on va essayer d'être rapide. Je regarde déjà tout ce qui arrive. Pour l'instant, c'est très très bien. Sophia X, attention, fini. Hein, F-I-N-I-S. Hein. N'oubliez pas le S. Renato Silva aussi, n'oubliez pas le S. On ne prononce pas le S, mais il est là. Allez, on continue avec le futur simple de l'indicatif première personne. Je vous attends. Alors, Riena Faire nous rejoint. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Nous sommes en train de faire de la conjugaison. Là, le verbe, c'est finir. Et c'est toujours la première personne. Je, et ce sera ici le futur simple. Pour le moment, c'est très bien. Donc, notre radical, c'est l'infinitif. Finir. Vous rajoutez uniquement la terminaison pour je. La terminaison pour je, c'est AI. Vous combinez les deux. Je finirai. Je finirai, nous sommes d'accord. Allez, on y va. Regardez. F-I-N-I-R-A-I. S'il vous plaît, passé composé. Premier temps composé. Allez, toujours la première personne, si vous voulez bien. Merci. Alors, Lovina qui dit bonjour et bonne année, Vincent. Merci, Lovina, c'est très, très, très gentil. Bonne année à vous, bonne année à tout le monde. Hein. On s'est déjà souhaité la bonne année. On se fait la bise virtuellement parce que, avec la Covid, on ne fait plus la bise. Et c'est dommage.
Alors là, effectivement, je vois que tout est clair, c'est parfait. Le verbe finir n'est pas très compliqué au passé composé. Premièrement, on utilise avoir comme pour la majorité des verbes. Avoir au présent, j'ai. Et le participe passé de finir, il est très facile, comme pour les verbes du deuxième groupe. Ça va être un i, tout simplement. J'ai fini. J'ai fini, tu as fini, il, elle a fini, etc. Allez, on continue avec l'imparfait. L'imparfait du verbe finir, première personne, allez-y. Alors, en première position, eh bien, c'est Yossi, toujours un routeur incroyable. Il est très efficace, Yossi. Vous avez fait un très, très bon travail avec la connexion, etc. Donc, nous sommes d'accord qu'ici, la technique, en fait, pour obtenir le radical, eh bien, c'est la forme « nous » au présent. Je finis, tu finis, il, elle finit, nous finissons. Vous enlevez le « ons ». Hop, vous obtenez votre radical F-I-N-I-S-S. Et après, vous mettez la terminaison. La terminaison pour « je », eh bien, c'est A-I-S. On combine les deux et on obtient « je finissais ». A-I-S. Attention, Kirill, hein. Kirill, terminaison A-I-S. D'accord ? A-I-T, Kirill, c'est pour « il », « elle » et « on ». D'accord ? Ici, ce sera A-I-S. Allez, on y va ! Plus que parfait. Le plus que parfait, deuxième temps composé. Toujours la même chose, la même personne, je. Le verbe finir au plus que parfait, allez-y. Alors, Julia qui dit « nous finissons nos saucissons ». Eh oui, Yasmine qui est venue de Montpellier nous a apporté des saucissons. Et actuellement, eh bien, nous finissons nos saucissons, c'est vrai. Alors, temps composé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, encore une fois, que nous allons utiliser « avoir ».« Avoir » devra être à l'imparfait. « Imparfait »,« j'avais ». Et ensuite, la deuxième partie, c'est encore une fois notre participe passé. Le participe passé, c'est toujours fini, F-I-N-I. J'avais fini. Là, je regarde vos formes. Pour l'instant, c'est bien. Faites attention, Kirill, c'était un tout petit peu, un peu audacieux ce que vous avez mis. Roman, attention, fini. Hein, et pas finir, hein. Finir, c'est l'infinitif. Allez, troisième temps composé, le futur antérieur. Futur antérieur, allez-y. Alors, je regarde les formes et je vois qu'Ice Cube, ça y est, Ice Cube, elle est en forme, elle est prête. Cherylyn est toujours prête à donner des bonnes réponses. Cosmina, je dis bravo. Emre, faites attention, ça n'est oui, ici, c'est le futur antérieur. Avec le S, c'est le conditionnel passé. Yesero, très bien. Vouslat, parfait. Bah, écoutez, apparemment, tout est bien. Sophia, attention, pas de S. Donc ici, temps composé, ça veut dire que avoir doit être au futur simple. Futur simple de avoir, j'aurai, a-i. Et encore une fois, deuxième partie, eh bien c'est notre participe passé. Notre participe passé, c'est toujours fini. J'aurai fini. Regardons maintenant le passé simple, qui en général est la spécialité de Monsieur Yossi. Nous allons voir si Yossi sera le premier. Le verbe finir au passé simple, je.
Alors, Harvey Mackinlay qui nous rejoint. Bonjour, bonjour Harvey. Effectivement, regardez. Ah, et aussi, ça devient de plus en plus difficile parce qu'il a une réputation. Il a une réputation à tenir maintenant. C'est le spécialiste. Sherilyn, elle est juste après. Sherilyn, elle est prête. Ice Cube, je dis très bien. Bah écoutez, oui. Donc la forme du passé simple, c'est très intéressant parce que c'est la même forme en fait que le présent de l'indicatif. Il y a une proximité qui existe pour cette personne-là, mais malheureusement pas pour les autres. Allez, on continue avec le conditionnel présent, s'il vous plaît. Conditionnel présent du verbe finir, première personne. Eh oui, Ice Cubes, le passé simple, ce n'est pas simple, c'est vrai. Alors, regardons ici. Alors, bon, le conditionnel présent, c'est un petit peu la même construction, c'est-à-dire le même mécanisme de construction que pour le futur simple. Vous avez votre radical. Votre radical ici, c'est tout simplement l'infinitif. Finir, c'est votre radical, F-I-N-I-R. Votre terminaison, pour la première personne, ce sera A-I-S. Vous combinez les deux et vous allez obtenir un magnifique conditionnel présent « je finirai ». « Je finirai », eh bien, c'est le conditionnel présent. N'oubliez pas le « s », il est très important parce que c'est la seule différence entre eh bien, le futur simple et le conditionnel présent. Allez, le temps composé qui suit, c'est le conditionnel passé. C'est un temps composé. On y va. Olga Ruiz qui nous dit « Je n'aime pas la grammaire ou la grand-mère, je ne sais pas ». Alors, Julia qui est révolutionnaire, qui dit « Bonne nouvelle, c'est seulement les puristes qui disent que passé simple est B2, pour les autres c'est niveau C1 ». Alors, je m'excuse Julia, mais si vous passez le DELF, si vous passez le DELF et le niveau B2 du DELF, il y aura systématiquement du passé simple, pas en production, on ne vous demande jamais de produire du passé simple. Mais il y en aura systématiquement dans tous les documents que vous allez lire pour la compréhension écrite. Ça, c'est garanti. Regardez les annales du B2. Non, il y en a. Je m'excuse. Allez, on continue. Ici, effectivement, c'est un temps composé. Donc, avoir doit être au conditionnel présent. J'aurai. Et puis, votre participe passé, c'est toujours fini. Allez, le sprint final, youpi youpi, subjonctif présent. Allez-y. Oh. Alors, je regarde, ce que c'est très intéressant, il y a des personnes qui aiment la conjugaison et des personnes qui détestent. C'est toujours difficile de faire plaisir à tout le monde. C'est nécessaire, c'est juste nécessaire. On aime ou on n'aime pas, en tout cas, c'est nécessaire. Ici, effectivement, eh bien, la forme, c'est que je finisse. Hein. Je regarde vos formes qui défilent. Pour l'instant, c'est bien. Attention, vous, Slat, ça n'est pas que je finissais, mais c'est que je finisse. Souvenez-vous que je finisse E. Que tu finisses ES, qu'il finisse E. Que nous finissions,
que vous finissiez, qu'il finisse, qu'elle finisse. E-N-T. Allez, on termine avec la dernière partie. C'est le temps composé, le dernier temps composé, le subjonctif passé. Alors, c'est toujours Yossi en première position. Ice Cube est là, Cosmina Belloué juste après, Sherilyn et là aussi, Lisbeth, tout ça c'est magnifique. Omar, je dis bravo. Victoria Possé, je dis formidable. Sundar, c'est très bien. Annabelle, youpi youpi. Yesero, très bien. Renato, eh ben voilà. Vous ne faites plus d'erreurs, vous ne faites plus d'erreurs, donc je n'ai même plus besoin de faire, oups, mon travail que j'ai fini. Souvenez-vous effectivement qu'ici c'est un temps composé, donc le verbe avoir, nous allons le mettre au subjonctif présent que j'ai, A-I-E. On ne prononce pas le E, il doit être écrit. Et vous mettez encore une fois votre participe passé fini, que j'ai fini, ce sera eh bien le subjonctif passé. Olga Ruiz, youpi, c'est fini. Pour les autres, je ne sais pas si vous avez apprécié, mais en tout cas, c'est nécessaire de le faire. Dag Tainer nous rejoint. Docteur Omer, bonjour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer. Vous êtes 87, à un moment nous étions 95 ou quelque chose comme ça. Cliquez sur le like, s'il vous plaît. Espérons, espérons que nous pourrons atteindre les 100. Ce serait très gentil. Allez, comme d'habitude, la photo du jour. Et la photo du jour, la voici. C'est une photo intéressante, à mon avis. En tout cas, je l'ai trouvée très sympathique. Une petite phrase pour me décrire cette photo. Cheng Zhang, bonjour. Cliquez sur like. Et Oda, ça c'est intéressant. Bonjour à vous. Alors, c'est Dark Tainer qui commence et qui nous dit tout simplement, mais très efficacement, un chat et un chien sont amis, c'est très bien. Raja qui nous dit, l'amitié n'a pas de frontières. Ben oui, c'est ça un petit peu l'idée hein, quand même. Olga qui dit, chut, cliquez sur like. Merci Olga, merci. Cassandra, bonjour. Lovina, les animaux familiers sont très adorables. Oui, Lovina, attention, adorable avec un petit S à la fin, parce que il doit être connecté aux animaux, et donc c'est pluriel. Renato qui nous dit « les deux inséparables ». Yossi qui nous dit « ils sont très bons amis ». Victoria Jacques, « l'amour entre deux animaux ». Victoria Jacques, si ma mémoire est bonne, vous, c'est plutôt les chiens. C'est plutôt les chiens, c'est pas tellement les chats. Hein. Vouslat, aujourd'hui, les chats et les chiens, avec un S, s'entendent bien. Omar, « les bons amis en sortant du confinement ». C'est possible. Yeah ! Ils peuvent sortir. Ice Cubes, ils sont très mignons. Bah oui, moi j'ai trouvé que c'était très très mignon. Yesero, deux vieux ennemis qui sont devenus amis. Ça c'est bien, Yesero. Grace, je regarde ou je vois un chien et un chat. Très bien. Cheng, j'ai un chat et un chien. Bah ben, félicitations. Bombville Lover, le chat et le chien sont les meilleurs amis et très mignons. Oui. Hillary qui nous dit, un chat veut l'attention du chien. C'est vrai. Faites attention, Hillary, de le, ça se transforme en du. Alors, attendez, je clique parce que Yulia, je ne sais pas pourquoi c'était bloqué.
Alors attendez, je regarde la suite. Luciana, l'amitié ne voit pas les différences. Eh oui, Sundar, c'est une très jolie photo d'un chat et d'un chien. Ils sont les meilleurs amis. Meilleur Sundar avec un S. Cassandra, le chien et le chat jouent ensemble. Eh oui. Lisbeth, le chat dit « Bonjour mon ami, où aimerais-tu aller aujourd'hui ?» C'est sympathique. Olga, le chat est très beau. Mais le chien, Olga, le chien! Olga préfère les chats. Maintenant, je commence à me souvenir. José, ces animaux sont des ennemis inconditionnels. Cosmina qui nous dit « Cette photo me suggère les deux pays les plus puissants du monde quand ils sont à la table des discussions diplomatiques. » Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est ce serait intéressant d'en discuter. Pour vous, quels sont ces deux pays? Parce que on pourrait en discuter. Yulia, je ne sais pas, j'ai fait un cauchemar cette nuit avec un chat. C'est difficile à y penser. Un chat sauvage, peut-être. Kirill, une amitié dès le chat et le chien. Ils veulent manger, peut-être. Annabelle qui nous dit « J'ai faim ». Qui dit j'ai faim? Stop! Est-ce que c'est le chien qui veut manger le chat ou le chat qui veut manger le chien? Tout est possible. Cheryline, le chat se cambre de colère parce que le chien l'utilise comme une mentonnière. Ça, c'est pas mal, Cheryline. C'est vrai. Roman qui nous dit il y a deux animaux qui sont très amicaux l'un avec l'autre. Très bien écrit. Renato qui nous dit après la guerre. Ah, peut-être qu'ils se sont battus et après ils arrêtent. Jabber, l'amour n'a pas de race. Très bien. Bickert, ils profitent de leur temps en jouant ensemble et sont vraiment sympas. Yossi, ça m'intéresse qu'ils habitent ensemble. Où sont les amis voisins? Eh oui, on ne sait pas. Est-ce qu'ils habitent ensemble ou est-ce que ce sont tout simplement des voisins? Sundar, j'ai deux chiens et un chat qui jouent tout le temps ensemble. Eh bien, voici. Voici Sundar qui nous dit que c'est possible. Et c'est avec cette musique un petit peu dramatique que je vous dis, vous êtes 99 et je voudrais... Vous êtes 100, ça y est, je vois sur mon compteur 100 personnes. Vous pouvez cliquer pour que nous atteignions les 100 likes. Merci beaucoup. Alors, c'est comme ça qu'on parle. Vous savez que si vous avez bonne mémoire, si vous avez participé au live il y a quelque temps déjà, nous avons travaillé sur le français familier ou très familier. C'est important de le connaître. Il faut faire très attention quand vous allez l'utiliser. Donc, soyez sûr que le contexte et les personnes avec qui vous allez interagir, vous allez communiquer, sont tout à fait ouvertes à ce type de langage, d'accord? Parce que ce type de langage, ça peut choquer certaines personnes. Mais à mon avis, c'est important de vous donner, en tout cas, ces mots. On va, comme les dernières fois, on va en faire trois. Le premier, eh bien voici. Le premier, c'est calmos. Alors calmos, c'est intéressant parce que calmos, finalement, c'est un peu comme un adverbe. Comme ça voudrait dire calmement, tranquillement, ou ça peut être aussi une expression pour dire « Hey, du calme, hein, tranquillement, tranquille ». Donc calmos. Je vais vous donner un exemple. Ici, l'exemple, c'est un exemple qui va être un petit peu comme un adverbe. Aujourd'hui, je suis crevé. Aujourd'hui, je suis fatigué. Je vais... Oups. Attendez, regardez. Petite correction directe. Voilà. Je vais faire mon taf calmos. Je vais faire mon taf. Mon taf, ce sera mon travail. Je vais travailler tranquillement. D'accord? Donc, aujourd'hui, je suis crevé. Aujourd'hui, je suis fatigué. Je vais faire mon taf calmos. Je vais travailler calmement, tranquillement. D'accord? Vous voyez ici qu'on utilise calmos, eh bien, comme un adverbe. Alors maintenant, regardez, eh bien, c'est à vous de m'écrire une phrase avec calmos. Allez-y.
Alors, je regarde Ice Cube, je pense que c'est une sorte de une sorte de néologisme qui arriverait de l'espagnol. Alors, Yesero qui est le premier, qui nous dit la mère en a plus que marre, ses enfants doivent jouer calmos. Très bien, Yesero. Sundar, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, je vais dormir calmos, d'accord. Ice Cube, je ne peux pas faire mon taf calmos ces jours-ci parce qu'il y a beaucoup de projets à faire. Elle travaille trop. Ice Cube, vous travaillez trop, hein. Alors, Kirill qui nous dit calmos. Je suis sobre. Clétino qui nous dit, je suis très calmos. Julia qui dit, après la conjugaison, tous sont calmos. Alors, Vouslat, aujourd'hui, il neige beaucoup, je resterai chez moi calmos. Incroyable. Ici, incroyable. Des montagnes de neige. Des montagnes de neige. C'est difficile de sortir de la maison. Annabelle qui nous dit, quand je te regarde, je dois être calmos. Renato, maintenant, je suis calmos en écoutant le prof Vincent. Il faut pas dormir. Il ne faut pas dormir, Renato. Yossi, après que nous ferons tous le vaccin, nous serons calmos. Eh ben oui. Eh oui, mais Yossi, c'était aujourd'hui, non? Est-ce que c'était aujourd'hui le deuxième? Lovina, quand je me promène, je fais mon travail calmos. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On attaque avec le numéro 2. Regardez, numéro 2, c'est un substantif. Et eh bien, c'est la cantoche. La cantoche, qu'est-ce que c'est la cantoche? La cantoche, c'est bien, ça peut être la cantine, ça peut être le restaurant d'entreprise ou le restaurant universitaire. Si vous allez à l'école, si vous allez à l'université, si vous travaillez, en général, si vous déjeunez sur votre lieu de travail ou d'études, on appelle ça une cantine. L'endroit où vous mangez, la cafétéria, où vous mangez à midi sur votre lieu de travail ou d'études. C'est la cantoche. Exemple, ça me gonfle de bouffer à la cantoche ce midi. On se fait un kebab. Ça, c'est Nicolas. Nicolas, grand fan du kebab. Alors, ça me gonfle, ça me fatigue. Ça me fatigue de manger à la cantine. Je n'ai pas envie de manger à la cantine aujourd'hui, ce midi. On se fait un kebab, on va au kebab. Ça me gonfle de bouffer à la cantine ce midi, on se fait un kebab. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi une petite phrase avec la cantoche. Cosmina Bellou qui attaque. Carabistouille, c'est intéressant parce que c'était Emmanuel Macron qui l'avait utilisé, Carabistouille. Et on l'utilise dans cette émission qui passe sur TMC, qui s'appelle le quotidien ou le petit cul. Alors, Cosmina Bellou qui nous dit, arrête avec tes carabistouilles, meuf. Tu dois faire ton boulot calmos à la cantoche. Eh oui, Lisbeth, demain j'irai à la cantoche avec mes amis. Annabelle qui nous dit, je vous retrouve à la cantoche. Très bien, je ne sais pas si les autres. Si Grace nous dit, je vais boire un bon vin à la cantoche. Alors Grace, ça dépend où, parce que en général, pour les écoles, non, 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 il n'y a pas de vin à l'université non plus. Donc, et au travail, ça a changé. Hein. Jabber qui nous dit, j'ai rencontré une belle fille à la cantoche, à la cantine, la cantoche. Sundar, la cantoche est le meilleur endroit pour bavarder, c'est vrai. Sophia X, quand j'étais à l'université, je mangeais à la cantoche tous les jours. Attention, Sophia. Jour, c'est masculin, donc tout pluriel, mais masculin. TOUS. Tous les jours. Ali qui nous dit, je viens de Taïwan. D'accord, très bien, très bien.
Eh bien, écoutez, participez, s'il vous plaît, à Liline. Renato, après avoir la leçon avec le prof, j'irai à la cantoche. Bon appétit, Renato. Bon appétit. Kirill, je mange à la cantoche en général. Très bien. José, aujourd'hui, nous manquons de temps pour cuisiner. Mangeons à la cantoche. Très bien écrit. Lovina, je manque de manger mon dîner à la cantoche parce que je travaille au domicile en raison du Covid. Ben oui, 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 oui. Hein, on n'a pas besoin de cuisiner. C'est ça qui est bien avec la cantoche. Yulia, ils ont pris des ordi, sont allés à la cantoche pour prendre un café et travailler. Ice Cubes, je travaillais parfois dans la cantoche quand j'étais à l'université. Waouh! Vous pouvez vous concentrer avec le bruit? Félicitations, Ice Cubes. Ou alors peut-être que vous avez des boules quies, comme on dit. Hillary, j'étudie à la cantoche aussi. Félicitations. Sacrée capacité de concentration. Vous, Slat, j'ai mangé à la cantoche avec mes amis aujourd'hui. Yesero, les employés de l'entreprise ne veulent pas manger à la cantoche. Ils veulent plutôt aller au McDo. Oh, c'est peut-être pas meilleur. Yossi, la cantoche de cette école se trouve au deuxième étage. Omar, je n'ai pas de cantoche au bureau, vous pourrez dire. Daria, j'avais une très bonne cantoche à l'Uni avec la nourriture saine. Ça existe, ça? Équilibré, peut-être. Saine, c'est une autre question, mais c'est possible. Olga, je vais très calmos à la cantoche. Olga combine, félicitations. Roman, je vais commencer ma leçon sur la cantoche. Ensuite, moi. Ça, j'ai un petit... Roman, j'ai pas compris la phrase, excusez-moi. Allez, on attaque avec le troisième. Et le troisième, c'est un verbe régulier. Et c'est le verbe... chiller. Le verbe chiller, et on prononce bien les deux L. Regardez, c'est prendre du bon temps ou profiter. Chiller, verbe régulier du premier groupe. Exemple, ce week-end, pas la peine de m'appeler, je vais me mettre en mode feignant et je vais chiller tout seul. Ce week-end, ce n'est pas la peine de m'appeler. Je vais me mettre en mode feignant. Je ne vais rien faire. Et je vais chiller, je vais prendre du bon temps, je vais profiter des choses tout seul. Allez-y, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, écrivez-moi une phrase avec le verbe chiller. Vous pouvez le conjuguer. Je chill, tu chill, il chill. Nous chillons, vous chillez, il chill. Ça, c'est pas mal, hein? Ouh. Alors, Courage nous rejoint. Ça, c'est un beau nom, Courage. Un nom plein d'espoir. Bonjour, Courage. Alors, Yesero qui est très en forme, Yesero. Je ne sais pas si vous avez eu le vaccin comme les autres, mais j'ai l'impression que là, les gens sont en forme. Yesero qui nous dit, les ados chillent sur la plage au lieu de bosser sur... Ah, attention Yesero, regardez, c'était presque parfait Yesero. Comme devoir, c'est pluriel, et que ado, c'est pluriel, en fait, vous n'utilisez pas c'est... devoir, mais vous utilisez leur devoir, d'accord? L-E-U-R-S, leur devoir. Attendez, Daria, je clique sur vous, je ne sais pas pourquoi, YouTube bloque certaines choses. Ice Cubes qui dit, je chill toujours le week-end. Ouais, c'est normal, vous travaillez, mais vous travaillez trop pendant la semaine. Il faut un équilibre. Un équilibre, c'est très important. Hillary qui nous dit, mes enfants chillent le week-end. Oui, c'est souvent ça le problème. Il faut les motiver pour faire des choses. Dark Tainer qui nous dit, je vais chiller ce week-end. Très bien écrit. Daria qui nous dit, je chill tous les jours et ça me fait plaisir. Bah écoutez, voilà. Lovina, je chill à la maison avec ma famille, toujours. Très bien. Peut-être, je chill toujours à la maison. Yesero qui est content. Oui, Dad, après les examens, je chill toujours. Important. Lisbeth, je vais chiller à la plage. C'est très populaire, hein, la plage, pour chiller, j'ai l'impression. Luciana, chiller chaque jour. On a l'impression que c'est comme si c'était le docteur qui fait une recommandation.
Kirill, nous ne chillons pas du tout. Et non, Cosmina, alors porte Nawak, ce que tu sois, quand tu es un petit peu brin de zinc, waouh, alors on sort, tu chilles et ça te fait du bien. Waouh, Cosmina, on sent que hein, ça parle la rue un petit peu. Hein. Jabber, je chill en écoutant la musique de Vincent. Renato, quand je suis chez moi, je chill à faire mes tâches. Omar qui nous dit, je vais chiller ce soir chez moi. Je vais chiller cette noire chez moi. J'ai pas compris, Omar. Sophia, j'ai chillé mon temps avec mes enfants à la maison pendant la pandémie. Yulia, il chill dans une cantoche et discute de manière calmos. Grace, ce soir, je vais chiller avec mes amis. Très bien. Vouslat, j'aime bien chiller sur la plage le week-end pendant l'été. Sundar, je vais beaucoup chiller après avoir rencontré mes amis. Sundar, avoir rencontré. C'est ce qu'on appelle un infinitif passé. Hein. Donc, avoir infinitif, rencontrer, participe passé. José, tu dois chiller à cette occasion ou de cette occasion pour voyager avec ton père. Yulia, lol, il chill dans la neige. Incroyable, hein. Tout le monde est très motivé là pour utiliser ces expressions. Merci beaucoup, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 93 likes, ça veut dire qu'il en manque 7 likes pour arriver à 100. Si vous n'avez pas cliqué sur le petit bouton, faites-le, sinon je vais pleurer. Et quand je pleure avec les lunettes, c'est pas très joli. Alors, si vous avez une bonne mémoire, si vous avez participé aux exercices avant, nous avions cette rubrique que nous allons continuer parce que maintenant, j'ai envie de continuer ces rubriques et c'était le fromage du jour. Et on avait vu un fromage que j'aime beaucoup, déjà parce que le nom est formidable, le chabichou, très doux à prononcer, et le goût, il est pas mal. Allez, le chabichou, comme d'habitude, on va découvrir trois choses sur le chabichou. Je vais vous lire, il manque trois mots, non, quatre mots là. Allez, on y va. Le chabichou est mentionné en 1872 par l'historien Charles de Chergé dans son guide du voyageur à Poitiers et dans ses environs. Je répète. Le chabichou est mentionné en 1872 par l'historien Charles de Chergé dans son guide du voyageur à Poitiers et dans ses environs. Écrivez les quatre mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, je vois que ça commence à arriver et c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, la première chose, eh bien, c'est le participe passé ici du verbe mentionner. Donc, c'est mentionner. Souvenez-vous que mentionner, c'est avec un T. Donc, M-E-N-T-I-O-N-N-E, accent aigu. D'accord ? Mentionner. Mentionner. La deuxième chose, eh bien, c'était un substantif, c'est historien. Historien ici, c'est au masculin. Donc, H-I-S-T-O-R-I-E-N.
N. Ensuite, c'est encore un substantif et c'est voyageur. Souvenez-vous qu'ici, hein, on parle de la personne. Hein. Ça n'est pas le verbe, c'est le substantif et c'est le masculin. V-O-Y-A-G-E-U-R, voyageur. Et puis la dernière chose, encore un substantif au pluriel, environ. Environ, E-N-V-I-R-O-N-S. Alors, je regarde. Globalement, c'était bien. Ouais. Non, c'était bien. Il y avait juste le mentionné. Bon, il y a plusieurs personnes qui ont mis un S. Une erreur classique. Hein, donc, c'est pas terrible, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Nous continuons avec la deuxième chose. Alors, attendez. Voilà. On y va. Le chabichou du Poitou est un fromage au lait de chèvre, à pâte blanche et molle, à croûte naturelle. Le chabichou du Poitou est un fromage au lait de chèvre, à pâte blanche et molle, à croûte naturelle. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais personnellement, en regardant fixement ce chabichou, j'ai envie de fromage, j'ai envie d'une bonne baguette et j'ai envie d'une bonne bouteille de vin rouge également. Nous étions à la recherche de trois choses. Non, Annabelle Nouvelle, ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable. On avait dit, c'est très gentil, mais ce n'est pas... Bah, mais merci. Merci beaucoup, Annabelle. Alors, les trois choses. La première chose, c'est... On est d'accord, un substantif. Le substantif, eh bien, c'est fromage. On l'écrit F-R-O-M-A-G-E. En général, il n'y a pas de problème pour fromage. Ice Cube qui écrit chubichou. Non, Ice Cube, c'est pas chubichou. C'est le chabichou. Ah, il faut pas dire ça quand vous allez là-bas. Hein. Si vous allez dans le Poitou, ils vont pas vous aimer. La deuxième chose qu'on cherchait, c'était le mot chèvre. Si vous avez un accent grave sur votre clavier, ce serait formidable. C-H-E accent grave, V-R-E. Et la troisième chose, faites attention, c'est un adjectif. C'est la forme féminine de l'adjectif mou. Hein, mou, M-O-U, molle, deuxième version, M-O-L, féminin, M-O-L-L, 2-L, E, d'accord ? Et donc ici, c'est le féminin. Allez, on continue avec Ice Cubes, il faut répéter après moi, le chabichou. Respectons les fromages quand même. Hein. Alors, on y va. Le terme... Chabichou équivaut à l'occitan cabecou. Les deux mots ont pour racine commune le latin capra qui signifie chèvre. N'est-ce pas, Ice Cubes ? Encore une fois, le latin, c'est toujours les Italiens. Je répète. Le terme chabichou équivaut à l'occitan cabecou. Les deux mots ont pour racine commune le latin capra qui signifie chèvre. Allez-y. Alors, Berilla71 nous rejoint. Bonsoir, vous arrivez juste pour la fin. C'est pas raisonnable. Allez, regardons ensemble les trois choses que nous cherchions. La première chose, c'était le verbe, et c'est le verbe équivaloir. Et donc,
Quand on le conjugue, c'est équivaut. Ouais. Il n'est pas facile. Il n'est vraiment pas facile. C'est la troisième personne du singulier et c'est A-U-T. C'est un petit peu comme le verbe valoir. Hein. Valoir, équivaloir, c'est la même conjugaison. Équivaut, donc on l'écrit comme ça. Ensuite, deuxième chose, eh bien, c'était racine. Je regarde vos réponses. C'est bien, attention Lovina, racine avec un E après. Yesero ici, racine, vous voyez que c'est plutôt le singulier, donc ce n'est pas nécessaire de mettre le S. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est un verbe. Le verbe, c'est signifier. Verbe du premier groupe, hein, régulier. Un petit peu difficile à prononcer, le ni-ni-ni-ni, si-ni-ni-ni, signifie. Et ici, on l'écrit S-I-G-N-I-F-I-E, signifie. Allez, et comme d'habitude, puisque vous êtes courageux et courageuse, vous pouvez lire avec moi, comme ça on va faire un petit peu de prononciation et de phonétique ensemble. Première chose. Le chabichou est mentionné en 1872 par l'historien Charles de Chergé dans son guide du voyageur à Poitiers et dans ses environs. Deuxième chose, le chabichou du Poitou est un fromage au lait de chèvre à pâte blanche et molle, à croûte naturel. Troisième chose, le terme chabichou équivaut à l'occitan cabcou. Les deux mots ont pour racine commune le latin capra qui signifie chèvre. Très bien. Et je ne sais pas qui... Est-ce que c'était Yossi qui demandait comment est-ce que c'est en verlan ? Ça dépend comment vous le coupez. Donc, vous pourriez dire chouchabi ou alors choubicha. C'est un petit peu comme vous voulez. Mais en tout cas, à l'envers. Personnes, ça veut dire que vous pouvez encore cliquer si vous ne l'avez pas fait. Cliquez, c'est comme si vous me faisiez la bise pour me dire merci. Alors, je ne sais pas si Daria est encore là, mais en tout cas, elle aimait bien les citations et je m'étais dit que ce serait sympathique de trouver une citation pour Choubichou. Excuse-moi, ce qu'il dit Choubichou, c'est meilleur. Mais comment vous le prononcez ? Chubichu ? Je ne sais pas. Alors, Hapofit, first time here. If you're starting French, in that case, this lesson is only in French and tomorrow it will be only in French. On Monday, at the same time, it will be in English. So you're welcome. Allez, Daria, elle est ici. Regardez Daria. Je ne sais pas, Daria, si vous connaissez Hélène Turgeon. Hélène Turgeon, c'est une écrivaine et elle a écrit notamment un livre qui s'intitule « Ma vie ne sait pas nager ». Alors, « Ma vie ne sait pas nager » et dans ce livre, en fait, il y a cette citation que je trouve assez sympathique. « On n'est jamais seul à vivre ce que l'on vit ». Et on gagne toujours à partager ce que l'on porte. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour vous, je ne sais pas si vous comprenez voilà, ce qu'elle veut dire avec ça. Mais en tout cas, je vous donne, comme d'habitude, la possibilité de me dire ce que vous en pensez. On n'est jamais seul à vivre ce que l'on vit. Et on gagne toujours à partager ce que l'on porte. Allez-y. Alors, Victoria Possé nous rejoint parce qu'elle était au téléphone. C'est important, Victoria Possé. Il faut être en contact avec les gens. La communication avec l'extérieur est très, très importante. Alors, Romande qui dit, est-ce que le mot
IN est silencieux à la fin du latin. Non, 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 non. Non, Romande. Le IN, hein, c'est vraiment une nasale. D'accord? Donc ici, quand vous mettez IN, c'est vraiment 1, 1, 1. Et ensuite, vous allez le prononcer latin. D'accord? Vraiment, on le prononce ici. Hein. Latin, il n'y a rien de muet. Hein. C'est vraiment latin. Alors attendez, je regarde parce que ça commence. Ah bah oui, Daria, elle est obligée de dire quelque chose. Mousta nous dit, elle parle de l'expérience de la vie. Très bien. Daria qui nous dit, un peu compliqué à comprendre. Ah, excusez-moi, mais on essaye. Et Yulia qui dit non. Non, je ne comprends pas. Sophia X nous dit, je suis d'accord avec cette citation. Ben écoutez, on va attendre les autres pour voir si certaines personnes ont compris. Alors, Mohamed qui nous dit, à mon avis, elle parle de la motivation. Olga qui dit, je ne comprends pas. Apparemment, cette citation n'est pas claire pour beaucoup de personnes. Alors, je vais vous dire comment moi je l'interprète. Hein, c'est juste une interprétation personnelle. Quand elle dit, on n'est jamais seul à vivre ce que l'on vit, eh bien, toutes les expériences et toutes les choses que nous pouvons vivre, d'autres personnes vivent la même chose. Donc finalement, nos expériences sont rarement uniques. Et on gagne toujours. C'est-à-dire ici, c'est important pour nous et on va gagner quelque chose. C'est bon pour nous de partager ce que l'on porte, partager ses expériences. Si vous vivez quelque chose, puisque cette chose probablement n'est pas unique et vous avez probablement d'autres personnes autour de vous qui ont vécu cette chose, c'est préférable de partager, de parler de cette chose ouvertement. Alors Yesero qui nous dit, ça veut dire que nous partageons toujours nos expériences. Bravo Yesero! Oh, Yesero, il est très très fort. On peut l'applaudir. On l'applaudit Yesero. Yossi, tout ce que nous gagnons dans la vie, on peut le partager avec quelqu'un. Oui. Et gagnons dans le sens expérience, etc. Yossi, non, c'était bien. C'était très très bien ce que vous avez dit. Omar, j'entends qu'il est toujours meilleur de partager. Oui, c'était ça, effectivement. Cosmina, c'est discutable. Avec Cosmina. Quand, et j'espère qu'un jour, on aura tous l'occasion de se retrouver autour d'une table avec quelque chose à boire. Je pense qu'on aura des dialogues et des discussions qui vont être intéressantes. Cosmina qui nous dit, c'est discutable. En général, l'homme est un être social alors que ce que l'on vit est connecté avec les autres. Oui, mais quand même, ça n'empêche pas. Une sorte de dialogue très long qui pourrait s'installer. Alors, je regarde Kangli, je te partage toujours avec les personnes si je peux le faire. Renato, il faut vivre la vie sans donner de l'importance aux choses matérielles. Allez, je ne peux pas vous laisser partir sans faire le plat du jour. Souvenez-vous, on avait l'habitude de parler du plat du jour, de parler de choses qu'on mange. Et je crois que c'était un des derniers plats du jour qu'on avait fait. Et quelqu'un m'avait dit, mais ce n'est pas un plat. Mais si vous êtes en France, vous savez qu'en général, quand on parle du jambon beurre, c'est quelque chose qu'on va manger sur le pouce, mais ça peut être le déjeuner. Le jambon beurre,
une très grande tradition de la, eh bien, c'est de la gastronomie quand même. C'est de la gastronomie quand même. On y va. Le jambon beurre, si vous ne connaissez pas, vous devriez connaître parce que c'est délicieux. On attaque, comme d'habitude, trois choses à trouver. Un jambon beurre, ou parfois parisien, est un sandwich traditionnel en France. Un jambon beurre, ou parfois parisien, est un sandwich traditionnel en France. Écrivez les mots qui manquent. Alors ça commence à arriver, je vois Cosmina qui dit « Oui, vous avez raison, il y a beaucoup à discuter, mais comme je l'ai dit parfois, notre pouvoir reste en nous, pas dans les autres. » D'accord, très bien. Pas de problème, Cosmina. Ma fille, elle est à l'université, elle est en psycho. Donc, on a tendance à discuter beaucoup de différentes choses, mais pas de problème. La communication est fondamentale. Trois choses à trouver. La première chose, eh bien, c'est parfois. Je regarde. Pour l'instant, c'est bien écrit. Parfois, c'est pas très, très difficile. On écrit P-A-R-F-O-I-S. Oui. La deuxième chose, eh bien, c'était parisien. Alors, parisien, c'est vrai qu'ici, peut-être qu'idéalement, on pourrait mettre une capitale, une lettre majuscule, parce que c'est le nom. Alors, attendez, je vais vous le mettre, parce que je ne sais pas pourquoi. Il n'y était pas, ce serait mieux comme ça. Hein. C'est un parisien, le parisien, comme un français, comme un anglais, comme etc. On va mettre en général une majuscule. Donc parisien, P-A-R-I-S-I-E-N, tout simplement, parce que traditionnellement c'était à Paris qu'on le mangeait. Et traditionnel, c'est l'adjectif. Regardez ici, l'adjectif. Alors Mousta, attention. Omar, attention. José, attention. Sundar, attention. Ici, l'adjectif traditionnel est clairement lié à sandwich. Sandwich, c'est masculin. Votre adjectif traditionnel doit être au masculin. E-L. On ne met pas le féminin E-L-L-E, non, E-L. Allez, on continue, attendez, parce que bien sûr, il faut que je clique maintenant, voilà. On y va pour la deuxième chose sur le parisien ou le jambon beurre. Et bien sûr, encore une fois, hop là. Il est composé d'une demi-baguette de pain fendu dans laquelle on a tartiné du beurre et placé des tranches de jambon de porc cuit. Il est composé d'une demi-baguette de pain fendu dans laquelle on a tartiné du beurre et placé des tranches de jambon de porc cuit. Allez-y. Alors, voilà encore trois choses hein, que nous essayons de trouver. La première chose, c'était laquelle. Ici, ça doit être au féminin. L-A-Q-U-E-L-L-E. Toutes les formes que vous me donnez sont presque parfaites. Je vois qu'il y a quelques petites erreurs, mais globalement, c'est bien. Ensuite, tartiner. Alors, tartiner, c'est le verbe. Hein. Le verbe, c'est tartiner. Hillary, c'est bien. Mais regardez ici. On l'utilise
au passé composé. Donc ici, c'est pas l'infinitif qu'on cherche, mais c'est le participe passé. On a tartiné, hop, E accent aigu à la fin. Et puis la dernière chose, c'est un substantif, c'est le porc. Lovina, faites attention, porc, c'est avec un C, d'accord ? P-O-R-C. Donc on a le porc, oui, donc c'est ça. C final, on ne le prononce pas, hein, mais on doit l'écrire. Allez, on continue. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'erreurs dans cette présentation, pourtant très simple, du jambon beurre. Allez, on y va. En 2017, pour la première fois en France, les ventes de hamburgers ont dépassé celles du jambon beurre. En 2017, pour la première fois en France, les ventes de hamburgers ont dépassé celles du jambon beurre. Alors, regardons ensemble cette dernière chose. Là encore, alors bien sûr, j'essaye toujours, si c'est possible, de placer une petite date. Et ici, c'était le cas, c'était 2017. Je regarde, attention Mousta, Mousta, c'était presque ça. Bélène, bonjour, c'est la fin. Vous arrivez à la fin, Bélène. Demain, il faut revenir, mais une heure avant, et vous pourrez faire le cours intégralement. La deuxième chose, c'était vente. Vente, ici, comme vous remarquez, l'article est au pluriel, les, L-E-S. Donc, vente doit être au pluriel avec un S à la fin. V-E-N-T-E. Et puis la dernière chose, eh bien, c'était le verbe dépasser qui ici est au participe passé, dépassé avec un bel accent aigu à la fin, D-E accent aigu, P-A-S-S-E accent aigu. Voilà, encore une fois, bah, écoutez, on va le faire juste pour le plaisir, nous allons lire ensemble. J'espère imaginer que là où vous êtes, chez vous, je ne sais pas où vous êtes, vous allez répéter avec moi parce que ce serait bien sympathique et à voix haute si c'est possible. Première chose, un jambon beurre ou parfois parisien est un sandwich traditionnel en France. Deuxième chose, il est composé d'une demi-baguette de pain fendue dans laquelle on a tartiné du beurre et placer des tranches de jambon de porc cuit. En 2017, pour la première fois en France, les ventes de hamburgers ont dépassé celles du jambon beurre. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, c'était très très sympathique. De refaire ces révisions, ça m'a donné à nouveau envie de refaire ce style d'exercice. Donc je pense qu'on va s'orienter un petit peu vers ce genre d'exercice qui, à mon avis, sont assez sympathiques. Voilà, merci beaucoup. Demain, c'est bien sûr à la même heure et c'est au même endroit. Si le lien a disparu, ça n'est pas moi. Ça n'est pas moi. C'est Monsieur YouTube. Très bien. Bonne journée, bonne nuit, bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Learn French, learn today, learn for free, learn your way.
Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. Learn French, learn today. Learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent, A to Z. Easy, fun, 1, 2, 3. Subscribe to the channel to support me. Students all around the world learning fast. Young to old, I am the best. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent, A to Z. Learn French with Vincent today. Thank you.